Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce gala, super gala. Et nous sommes réservés la pièce maîtresse pour le dernier combat. Le titre EBU, grand moyen, chez les dames est en jeu. Je vais d'abord vous présenter le jury pour ce dernier combat. Le juge arbitre dans le soir, monsieur Raïk Aïk Adi, il sera assisté par monsieur Philippe Rodès et monsieur Christophe Ambert. Je vais dire notre président de la Ligue de France, monsieur Marco Giuliani, sera superviseur pour le BU. Il sera naturellement accompagné de monsieur Mario. La première challenger, elle vient de Russie. Elle a livré une grande carrière en pied-point et en amateur. Je l'appelle dans le coin bleu, Luisa Davidova. Les fondamentaux à la base.
Bon, on apprend à se connaître. Hein. C'est que la relation boxeur-entraîneur est une relation assez. S'installer dans ce moment. Ce premier round est un petit peu. Il est un peu laborieux. Sur une. Face à une adversaire qui C'est une vraie teigneuse. David Ovald, je vous dis, à la pesée. Elle narguait déjà Franck, elle n'était pas impressionnée. Et ça se voit, elle n'est pas impressionnée. Un rouleau compresseur. Elle est clairement venue chercher. Face à qui ? Elle n'a pas voulu faire un figure. Et là, Franck devrait utiliser son bras avant un peu plus. J'essaie de garder un petit peu plus de distance. Deva qui vient juste de placer un direct. Deva aller. Qui est passé. Et la ville, la proximité. Brouillon. Attention, peut-être aux blessures. Et la Funker va devoir vraiment s'installer si elle veut remporter ce combat qui s'annonce compliqué. C'est avantage à longe pour Funker. Herman. Elle doit s'en servir, voilà. C'est tourné autour, pilonné de loin. Esquive suivi d'un crochet gauche de Femke Evans. Pour moi, sur cette action-là. Deuxième reprise. Mériterait de remporter le round. Il y avait un premier round qui était quand même assez serré pour les deux boxeurs. Le deuxième, je donne à l'avantage de Femke Evans. On a une légère avance. La Belge. Dites-moi. Je vais également. Ouais, selon moi, les clés. C'est une avance qui peut très très vite fondre, s'effriter. Déterminé. Deva qui a décidé d'enclencher la marche avant. Attention, coup derrière la tête. Faire attention à ses doublés du bras avant de Funker Evans en se déplaçant comme ça sur le bras arrière de son adversaire. Faut faire attention à ce mouvement.
laisse éventuellement l'ouverture de la droite de son adversaire. Donc il faut faire à chaque détail dans ce combat. Et on le sait, il est important pour Femke Hermans. Les 6 qui restent. Ouais, clairement.
Alors selon moi, Femke, elle doit vraiment, pour moi c'est clair en fait, elle doit boxer à distance. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est là qu'elle est à l'aise, c'est là qu'elle met son adversaire en échec. Davidova a du mal à trouver la distance, donc elle est souvent dans le vent. C'est là que Femke peut se désaxer, se déplacer autour et revenir en fait. Alors, regardez Davidova, ouais. Elle n'a pas l'air éprouvée. Hein. Elle a un mental, hein. Elle a un mental, elle est là pour tout gagner. On le voit, elle est vraiment très engagée. Casser la distance. Écoutez le langage corporel. Ça parle aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat jusqu'ici? Charger les informations nécessaires aux ajustements. Et Femke qui invite son adversaire à tenter la 1-2. On voit vraiment qu'elle attend pour le rapprocher. C'est très très limité quand même. C'est très très limité pour moi. Ça va pas être suffisant. Bien que, comme je disais, souligner un coup suffit. Il suffirait. Ça, c'est pas un petit peu téléphoné. Ouais, c'est laborieux. Écoutez, je vais quand même. Donner à Davidova sur le coup. Davidova. Oui. Personnellement, j'ai trouvé Davidova très très entreprenant dans ce coup-ci. Comme lui, l'avantage de mettre la pression. Femke bouge bien, mais je trouve qu'elle ne remise pas assez. Pas s'emmêler avec son la distance et développer sa Ouais, mais je sens qu'il y a des joueurs qui apprécient le style de Davidova. Le style la boxeuse avant, c'est un style. Certains juges apprécient, enfin, c'est vraiment le signe de dominer le rang, même si là, pour moi, c'est le début de sixième. Un combat intéressant. Mais c'est quand même assez brillant. Pour rester structuré, hein. Faut vraiment essayer de garder sa tête. On va la faire froide et attaquer. Parce que c'est Femke Hermans, elle gère bien le coup, elle gère bien la distance, là c'est une belle boxe. Là le bras avant devait être actif, vous voyez. Ouais, ça c'est téléphoné, là elle ne doit plus donner avec le bras avant. Elle a un avantage, hein. Elle a un avantage dans le monde, elle a un avantage dans le monde. Non, ce bras avant il est ouais, quasi inexistant, là, timidement. Ce genre de style de fonceur, c'est le bras avant, il n'y a pas de secret. On a bien fait.
axé sur le punch. Ça, c'est fou. Les combats vont venir à et on inverse difficilement le tendon sur un coup. Ouais. Dans la sixième reprise. Alors je parle en général, naturellement, il y a quelques grosses punchers. Mais en vrai, votre score pour ce round? Écoutez, j'ai 3 rounds d'avance pour ce round. Vous donneriez à Femme que celui-ci? Oui, celui-ci, je vais donner à Femme. Attention que les têtes, il y a des têtes, c'est vraiment.
et risque de blessure. Et risque de blessure. Et là, ici, c'est que. Et ça fait que la commission de choix va baisser à distance. Vous écoutez ça? Ouais. C'est normalement. Parce que lui, t'as du droit, c'est ça. Alors moi je vais être honnête avec vous, je regrette un petit peu de ne pas avoir en fait un vent de plus efficace de la part de Finkelman. Je pense que la clé parce qu'on a 6 aurait été vraiment de pouvoir arrêter, vraiment pouvoir arrêter. Oui, arrêter les assauts de David Dobin, vous voyez, regardez encore une fois. Et vous l'avez comparé au petit taureau, ça ne s'intéresse pas comme ça. Non. Là, c'est un petit peu un crochet trop trop large. Il faut bien établir. Le bras avant doit être activé. C'est parfois signe, c'est comme ça, pas trop. On cherche un peu ça. Déstabiliser l'adversaire. Alors moi je vais prendre les fans des fausses gardes, enfin de changer de garde comme ça, c'est pas mon école. Je vous avoue, moi j'ai pas été formé comme ça, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. De la 8ème reprise. C'est bien ce que moi. Les cartes se creusent, hein. Pour celui-ci, c'est... Ouais. Ouais, c'est d'accord. Partagé. Circonspect. Je ne vais pas le dire, mais ça, c'est facile. Ça est. Alors, globalement, je trouve que c'est Thomas marque plus de points. Les assauts qu'il tente trouvent sa cible, en fait. Plus souvent que son adversaire. David Omar a eu l'impression, c'est vrai. Je trouve que c'est moins efficace. C'est vrai? Soit l'erreur! Fake house! Systématiquement, des fois un petit peu en se jetant sur son adversaire, ce qui n'est pas trouvé dans un
puis on va entamer la 10e et dernière reprise. Si David Ouvra ne trouve pas l'ouverture avec un de ses larges crochets, effectivement, on peut la perdre. Décidé de se jeter dans cette dernière reprise de cette très belle soirée. Ouais, là, vous avez là qui coupe plus le ring. Hein. Parce qu'on résistait déjà Exactement. Ouais, exactement, ouais. Tout à fait d'accord avec vous, Pierre. Là, on a décidé de mettre la pression dans le dernier round. Pour espérer. Si les juges arbitres ont le même avis que vous. Allez, faisons ça. Voilà, mesdames et messieurs, ceci clôture cette superbe soirée de boxe. On espère que les conditions sanitaires nous permettront d'en vivre encore beaucoup d'autres. Et vous savez que pour cela, il faut que chacun d'entre nous fasse un petit effort. Christophe Robert, 98-92 également, 98.
Gates, Manitou et les carrières vainqueurs au point à l'unanimité des trois juges et championne de EPU dans le coin rouge et de l'Italie, Chantelle Eva. Et on félicite de sa valeureuse adversaire. Merci encore à Lisa Kamenova. Monsieur Jean-Bert Teller, est appelé sur le ring, s'il vous plaît. Votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be. Sachant tout est éphémère, mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore une dernière, plus, plus, encore une dernière, plus, plus, encore une dernière, encore. Ma conscience me dit d'arrêter, je lui dis encore une dernière, encore. On veut posséder le million, sachant tout est éphémère, mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos.